soit effectivement elle sera en typologie marché couvert, c'est-à-dire qu'elle sera dans la prolongation de l'espace public et elle participera à la vie du quartier en pleine adéquation avec les commerçants alentour. Soit effectivement quand il fera soit trop chaud, soit beaucoup trop froid, à ce moment-là elle sera fermée et la fonction du mall central deviendra éminemment importante puisque ça sera le lieu de vie de la halle. Ensuite, les étals seront soulignés, le ciel des étals sera souligné par une structure métallique qui sera bordée par un LED qui sera systématiquement allumé pour marquer les pétales, les différents pétales d'étals, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que ils vont pouvoir choisir leurs aliments. Les aliments vont pouvoir être déposés dans des boîtes réfrigérées qui seront vraisemblablement sur les murs que vous voyez le long des étaux. Et vous pourrez venir chercher après votre commande ou la commande pourra être livrée. Donc, il faut que ce soit un lieu de convivialité avant tout. Une halle, c'est un endroit où on aime à se retrouver. Et celle-ci est à taille humaine. Quand vous aurez tous les doubles plafonds et tout, on est à taille humaine.